Tendance confirmée avec des jeunes trotteurs qui font le job un petit peu tout seul en cette fin de matinée, mais qui réalisent des performances intéressantes. En tout cas, là, Loki de l'Ormerie s'impose largement détaché. On va écouter le résultat des commissaires pour, enfin des officiels pour savoir quel est le chrono exact qui va être enregistré pour ce Loki de l'Ormerie, un fils de Rêve de Belève et de Betty de l'Ormerie. Seul le premier retenu dans ce 21e lot, le numéro 124 passe en 27 et pour information, le 167 est refusé en 22-5. Le 124 est retenu. 22e Voilà, lot, mission piste accomplie. 22e. Mission accomplie pour le fils donc du Rêve de Belève et Betty de l'Ormerie, représentant l'entraînement de Bertrand Lebelair, famille d'Atineau de l'Ormerie qui a gagné 300 000 euros de gains.